Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en exclusivité, après avoir tout raté, après avoir tout perdu, y compris ses vêtements, celui qu'il faut... Ah. J'ai été un petit peu trop rapide. Et coucou, bonjour à tous. Du coup, vous n'avez pas eu toute la vidéo d'intro en entier. J'ai été un peu rapide sur le clic. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce début de week-end. Que vous avez passé une bonne fin de semaine. Que tout se passe bien pour vous. Peut-être un truc qu'il faut que je fasse. Attendez une petite seconde. C'est ici. Je vais... Où est-ce que c'est là. Hop. Je vais modifier un truc dans la chatbox. Voilà. Tu ne la réactualises plus. On verra si ça cause des problèmes. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être du Starfield. Et évidemment, hein. Je suis loin de l'avoir fini vu ma façon de jouer. donc pour le planning de cette fin de semaine et donc du reste du week-end, vous avez donc demain à 14h pour du Satisfactory modé. Peut-être que le live sera un peu plus court que d'habitude demain, je verrai bien. Et le programme de la semaine prochaine, je ne m'en suis pas encore occupé parce que j'ai une forte inconnue. Donc, je vais le préparer fin de week-end ou probablement lundi. Et je vous aurai les infos au même moment que moi. Par contre, il y a plusieurs choses pour le mois de février. Il y a déjà le lancement de Skull and Bones. Que j'essayerai de faire day one. Normalement, de ce que j'ai vu, il sort le 16. Si je suis dispo, je ferai un live le vendredi 16. Donc le 17 février, je ferai pas de live, je pense pas, parce que je risque de faire un très grand live. Si je suis dispo, uniquement, hein, parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer à ce moment-là. Où est-ce que je serai? Et il y aura également le troisième lancement d'essai du Starship qui va se faire techniquement en février et que j'aimerais également faire en live. Parce que c'est quelque chose d'impressionnant, c'est intéressant. Donc il faut suivre, comme vous le savez. Je suis passionné de l'espace et je viens de me rendre compte que le canard de la page n'est encore plus à sa place. Ah mais ça, je vous jure. Pourquoi? Je passe mon temps à le replacer ces jours-ci, j'en peux plus. Voilà. le planning, même sur Discord, il sera pas mis tout de suite. Je pense que là on peut passer sur la fenêtre de jeu. Non. Hop, tac, je vous passe dessus. Je vérifie au niveau de tout ça. Normalement vous avez tout. Vous n'hésiterez pas à me dire au niveau des sons. Vous avez l'image, on est ok. Alors, comme d'habitude, ici il faut venir toujours refaire ça, remettre ça. Ça là, qualité ultra, ça on s'en fout, ça on le met. Ça, je crois qu'il était à 90. Et tout est ok. Hop, on retourne et on va recharger. J'ai pas fait grand chose hors live, Comment dire? Je scanne des systèmes. C'est pas que je perds la hype de ce jeu, hein. J'ai toujours la même hype, mais il y a d'autres jeux aussi. Hein. J'ai passé pas mal de temps sur Palia. Il y a les lives aussi. Coucou Maxou, merci pour les bits.
Et ouais, je le vois et je l'ai pas vu de mon côté, ce qui veut dire que j'ai oublié d'activer un truc. J'espère que tu vas bien, Maxou. Merci pour tes 50 bits. Et tu m'as justement montré qu'il y avait un truc que je n'avais pas vu. Alors, si je passe comme ça pour venir là. Ouais, vous l'avez. Non, c'est bon, vous êtes toujours dessus. Projecteur. Voilà, faut que je fasse ça. Vous avez besoin de quelque chose? Fenêtré. Non, pas fenêtré, reste en plein écran, s'il te plaît. Toujours au premier plan. Et on l'assombrit et on peut revenir au truc Capitaine. normal. Voilà. Normalement. Tac, tac, tac. Bah écoute, ça va nickel. Ça coin coin nickel ici. Hein. Hop. Alors, non. Et donc au niveau des jeux, hier j'ai testé Palworld et franchement, vous pouvez y aller, ce jeu est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire comme mission? Ça, elle va être un peu galère. En termes de faction, je les ai toutes finies. Les missions diverses, ouais, je suis sur celle-là. Mais c'est ok. Hop, on va faire celle-là. Est-ce que ça, c'est un truc à faire régulièrement? Trouver des infos pour SOTV, donc. On y va. Direction le Star Eagle. À mes yeux, légèrement modifié, évidemment, le meilleur vaisseau du jeu. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser. On verra ça plus tard. Trajectoire calculée. Hey. On dirait qu'il est en train de recharger son bouclier là. Apogée terminée. Nous sommes en orbite. Là, t'es à fond. Hop, hop, hop. Et du coup, je dois aller où? À Cheyenne. Donc, à Liberastra. Donc c'est ouais, c'est ici, à Kela City. On va faire le petit saut. Le petit saut qui va bien. Bizarre ça. Coucou Gorilla. Ah oui. Je comprends pas pourquoi la première elle est pas passée. Est-ce que tu. Comment ça va pour toi? Moi ça coin coin. Je me posais la question de pourquoi ta commande elle était pas passée. Et là je me la pose encore puisque. Ouais non. Ah bah oui, c'est vrai que il faut que, que la commande soit en première ligne, pas en premier. Cette ville est libre depuis 2 siècles et la Confédération considère ça comme son joyau. Ouais, pareil. Ah oui, mais si tu oublies des lettres aussi, toi. Dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, il y a toujours ce petit message-là.
Ah, mettre en épinglé. Alors, viens ici. Hop, jusqu'à la fin. Voilà. M'a raconté tellement d'histoires à propos d'Aquila City que j'ai l'impression d'y avoir vécu toute ma vie. Hop, alors. Je m'appelle Annie. Waouh, il y a eu un décalage. Vous venez d'arriver, pas vrai? Il va falloir que je vous surveille alors. Sincère ou vous dites ça comme ça? Figurez-vous que je travaille pour la Pola. Je suis la toute première assistante de surveillance des Rangers. Et c'est pas un titre que je me suis inventé. C'est le Ranger Emma Wilcox qui me l'a donné. Alors c'est officiel. Ouais. Exactement. Elle est Ranger senior, ce qui veut dire qu'elle commande à moi et aux autres Rangers. Enfin, à part Diego. Il est aussi Ranger Senior. Ah, et le Marshal, parce que c'est le chef de tous les Rangers. J'observe les gens et je les écoute. Si je les entends parler de contrebande, d'aurore ou de gang, je préviens les Rangers. C'est facile, parce que personne fait attention aux enfants. Et puis je connais plein de super cachettes dans toute la ville. Elle est mignonne, la petite. De tous les temps. Un jour, j'apprendrai le métier aux autres enfants. Faut former la prochaine génération, parce que je serai pas là pour toujours. Et vous, alors? Vous allez respecter la loi? Ou je dois vous ajouter sur ma liste? Je suis Ranger, hein. Bonne réponse. Mais j'espère que vous le pensez vraiment. À qui la City grouille de criminels? Ils sont partout. Les Rangers doivent faire quelque chose. Et leur assistante de surveillance aussi. Il y a quelqu'un qui vole des flingues et d'autres trucs chez Laredo Firearms. Et aucun adulte veut nous croire. Alors on se demandait si vous voulez pas nous aider à le prouver. Ma mère, c'est le Ranger senior Emma Wilcox. Et elle dit que moi, je suis l'assistante de surveillance des Rangers. Vous avez qu'à lui demander. Parce qu'ils sont bêtes. J'ai donné une liste de crimes et de pistes à la sécurité, mais ils écoutent rien. Je fais plus ou moins leur boulot à leur place. Allez. Émilie avait raison sur vous. Un soir, je faisais ma patrouille et j'ai vu un type bizarre qui avait l'air d'être en repérage autour de Laredo Firearms. Je l'ai observé le plus longtemps possible, mais je devais rentrer pour aller dormir. Dès le lendemain matin, j'y suis retournée et j'ai interrogé Justin Sneed. Et il m'a dit qu'il manquait des trucs dans l'inventaire. Je lui ai parlé de l'étranger suspect, mais il n'a pas voulu me croire. Je peux rien prouver, mais le suspect faisait vraiment des trucs bizarres. Il essayait vraiment de pas se faire voir. Ma mère dit qu'il faut se fier à ses instincts dans ce métier. Et moi, je sais que c'est un voleur. Exactement. C'est une affaire trop complexe pour un seul ranger. Alors j'ai nommé Emily comme adjointe. Je suis l'assistante de l'assistante de surveillance. Ouais, ou un truc du genre. En tout cas, on a découvert que le voleur s'introduit presque chaque soir. Genre, très très tard. Il a son passe à lui. Il faut juste l'arrêter. La sécurité vous croira, vous. Ouais, on va jeter un œil. On a tout fait comme il faut. Inspecter les lieux du crime, interroger les témoins et surveiller le suspect. J'ai passé toute une journée à suivre le suspect sans qu'il se doute de rien. Émilie l'a vu ouvrir la porte du côté une fois. Depuis, on sait qu'on tient un vrai criminel. Si ça se trouve, c'est juste celui qui possède la boutique, hein. Je dirais qu'il traîne dans le coin vers minuit. Attendez qu'il sorte de chez Laredo et vous l'aurez la main dans le sac.
Il faut l'amener devant la justice. On va s'occuper de ça. Vous passez une bonne journée. Ah, faut que j'attende la nuit. Alors, comment je fais pour attendre la nuit, moi? C'est quoi? C'est ça, c'est bien ça, je dois attendre la nuit. Appréhender le voleur chez Laredo à minuit. Ah oui. Par contre, ça, ouais, ça aurait été plutôt bien de mettre un truc pour te permettre de faire passer le temps. Ok, même si tu m'entends pas, un petit coucou, Loctaria, merci de passer. Je te fais un petit message. Là. Tac, voilà. ouais. Je sais même plus s'il y a moyen de passer le temps. Il y a une touche pour faire passer le temps. Non, pas le mode photo, je m'en fous du mode photo. Option. Raccourci. Je sais qu'en allant dormir, je vais passer le temps. Avant-poste, non, terminal, mode photo, sécurité. Ouais, on va aller faire dodo. Ouais, il est là-bas, mon vaisseau. C'est bien lui, là. Ouais, c'est là. Il est là. Donc c'est un dodo qui est dans le chat. Alors, où sont les couchettes? Enfin, les prisons plutôt, parce que c'est pas des couchettes que j'ai, c'est des prisons. On va monter. Et elles sont ici. Alors, ouvre la porte. Dormir, heure locale. Ça fait 17, 19, 20, 21, 22, 23. Ah non. Ça doit être bon. On se réveille. Bah alors.
Oula, ouais, t'as un petit problème, Sarah, là. T'as un petit problème, Sarah. T'es coincé là. Peux même pas utiliser le lit pour vérifier l'heure. On va changer de lit. On va redormir une petite heure. J'aime bien la nouveauté, mais la prochaine fois, on essaiera sans les jetpacks. Et normalement, en termes d'heure, c'est OK. Le temps d'y arriver, ce sera bon. Censé être facile. Quoi? Merde. Je... Ouais. Ouais. Moi, voler? Non. Je veux dire... Oui, je... Bordel. Merde. La sécurité. Comment vous m'avez attrapé? Ne bouge. Ouais, ouais, te détends, toi. Mais c'est la vedette de la Galbanque. Et qui est-ce que nous avons là? Ça fait beaucoup d'armes pour une petite promenade nocturne. Je... Et puis merde, j'abandonne. Sage décision. Mon petit doigt m'avait dit que quelque chose allait se passer ce soir. La petite Annie avait donc bien raison sur tout ça? Je l'ai toujours considéré comme une peste. Mais là... Ah oui, quand même. Prendre le relais. Aquila City vous en doit encore une. Et... remerciez Annie pour moi. Fais chier, elle va jamais nous lâcher avec ça, maintenant. Ah, bah, les enfants... Faut savoir les écouter des fois. Alors, par contre, dans un bar, je suis pas sûr que ce soit sa place. Hein. Sauf si elle est avec sa maman, mais. Là, elle est. Aider avec sa maman, donc ça va. Vous avez atteint le grade de ranger à une vitesse vraiment impressionnante. Merci. Excusez-moi. En quoi puis-je vous aider? Vous avez attrapé le voleur? Et dites-moi que ça a marché. Annie, qu'est-ce que tu fais encore debout? Tu devrais te coucher plus longtemps. Il faut que je sache, maman. Vous l'avez eu, hein? Hein? Annie L. Wilcox, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, les cambriolages chez Laredo, je t'en ai parlé. Ben, on a attrapé le voleur. Attends, c'est vrai? Mais oui, maman, je te l'avais dit. Je... Elle dit la vérité. Vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi, hein? Non, non, non. Annie me fait des rapports sur ses patrouilles depuis des années. C'est la première fois qu'elle raconte quelque chose de vrai. Je... Waouh. Je... Annie, on en reparlera plus tard. Mais je suis fière de toi. En revanche, tu dois être plus prudente.
Oui, maman. Je serai la meilleure assistante de surveillance des rangers de toute la ville. Merci d'avoir aidé ma fille et pour tout le reste. Tenez, Dieu nous garde. Il a manqué un bout du trigger. J'ai pas compris. Logiquement, il aurait dû le faire. Je vais vérifier un truc, hein, bougez pas. Allez, on se retrouve tout de suite, juste en plein tunnel de pub, mais t'es au pub, maison. Et il l'a fait avec beaucoup de retard, tiens. On verra la prochaine. À la prochaine pub. Et ça c'est fait. Hop. Hop, on va faire ça. Au passage, on va voir s'il y a d'autres missions qui sont dispo ici. Ah oui, il y en a d'autres, ouais. Bon, bah, je les prends tout le temps. Je m'embête pas, je les prends toutes. Ça fait de l'XP, ça fait de la thune. Le rocher ne vaut pas le dames, mais il faut admettre que c'est un siège de gouvernement plutôt imposant. Il y a aussi quelqu'un que je voulais aller voir, je vais faire ça tout de suite. Je voulais pas faire ça hors live parce que si ça avait lancé une quête, ça aurait pas été cool pour vous, hein. Quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc on va aller tout de suite. Voir ça. Et je crois en plus que je dois pouvoir faire une mise à jour d'un truc sur mon vaisseau, moi. Enfin, une mise à jour. Une évolution, ou alors je l'ai déjà faite. Faut que j'aille vérifier ça. Je vais voir ici. Technicien. Ouais, je suis passé au rang 3, donc je dois pouvoir faire d'autres installations. On va faire ça en même temps, je pense. Alors, je voulais. C'était. Bon, sur la même planète. Je dois aller sur la même planète. Ça tombe bien. Mais c'est plus ici que je veux aller pour le moment. À la station spatiale du TAMS. Pas l'intention d'atterrir à New Atlantis tout de suite. Je vais d'abord aller sur la station spatiale. Amarrage. J'ai le pétard qui me dérange, qui me démange. Allumage. Ah tiens, je pourrais peut-être aussi prendre cette scène-là pour une vidéo pour une chaîne. Ça pourrait être marrant aussi. Alors. J'avais tout fouillé, je crois. Ouais. T'es là, toi. Alors, est-ce que t'as... J'ai encore des trucs à déplacer. J'avance à rien. Mal à l'épaule.
Tu veux bien me parler, ouais? Ah, pardon, je calculais des trucs dans ma tête. Vous vouliez papoter? Ouais. Dis-moi plus. Les données de scanner, est-ce que... Il a récupéré un peu de thunes. On va lui en vendre. Je vais le ruiner. Voilà, c'est parti. Il est ruiné. Je vous jure. Qu'est-ce que t'as à vendre, toi? T'as rien à vendre. On s'échangera des mots plus tard. Hop, reviens comme ça, voilà. Je reviendrai quand on aura plus de thunes. Est-ce que j'ai plein de données à lui vendre? Des amarrages. Bon, alors ça c'est toujours buggé, hein. Parce que là je suis niqué. Je dois faire ça pour que le vaisseau se déplace. S'il y avait un touche pour le comment mettre en route ou arrêter les moteurs, ce serait vraiment pas du luxe, hein. Après, c'est pas parce que je trouve le jeu très bon à mes yeux que je ne vois pas les défauts qu'il a. C'est toujours important, malgré tout, de voir les défauts des jeux. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser. Par exemple, le son qui part en couille ici, ça me fait toujours marrer. Un barbichat. Est-ce que je l'ai celui-là? La bonne page, voilà. Évidemment, il fait encore du favoritisme. Bah, allez hop. Ensemble, on peut vraiment faire changer les choses. Et un pirate de moins. Finalement, on rend service à la communauté galactique. Ouais. On sécurise l'espace. C'est une bonne chose, non? T'as pas une autre mission à me donner? Cette mission, c'est un point d'interrogation. La PDG d'une petite boîte a soudainement disparu, nous laissant un gros crédit non remboursé. Et on ne sait pas si elle a détourné les fonds, si elle s'est crachée quelque part, ou si elle a carrément été enlevée. On a une piste pour la retrouver, mais s'il vous plaît, surtout, faites preuve de finesse. Aucune idée. Tout est bizarre dans ce dossier. Ça ne m'étonnerait pas qu'une surprise vous attende. Et pas une bonne. Ok. Je suis déjà rassuré. Bonne chance. J'en profite, je vais racheter des Pokéballs parce que j'en ai plus beaucoup. Alors, en termes de mission, là, qu'est-ce qu'on a encore à faire? On va faire celle-là. Le maire Cartwright pour du travail. Là aussi, par exemple, c'est marrant, mais c'est pas normal. Je suis littéralement en train de marcher sur les feuilles. Mais voilà, c'est un jeu, je cherche jamais à avoir le réalisme dans les jeux vidéo. Même si certains points font réaliste, c'est des points positifs en plus, mais c'est pas ce que je cherche. Alors, il va m'en falloir... Ah bah j'en ai deux, donc 8 et 12. Là non, 18 et 12. Faire des achats de Pokéball en même temps qu'on joue à Starfield.
Ah oui, c'est toi, je crois, qui peut me permettre d'évoluer mon... Vous n'avez rien à vendre? L'autorité commerciale achète de tout. Leur comptoir est juste là. Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un œil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. Je peux modifier mon vaisseau. Ok, pas de problème. Améliorer. Alors... C'est là. Je peux pas améliorer ça. Donc je suis en moteur S. Ah ok. Donc les moteurs, moteur SA 4330. Bien ça. Ça, c'est l'astromoteur. Il est où le moteur? Il est là. C'est le réacteur. Ah, il me faut la conception de vaisseau niveau 4. Après, je suis déjà en classe A avec lui. Donc, il est au max déjà. Oh, putain. Ok, j'ai un vaisseau de classe A. Ok, d'accord. Pour pousser le reste, ouais, je dois aller en niveau 4. Donc il faut que j'installe des trucs. Des modules uniques. Putain, ça va me prendre la tête, ça encore. Qu'est-ce que j'ai comme module unique qui traîne ici? Tac. Palais d'habitation. Astromoteur, bah ouais, enfin, je peux en mettre qu'un, je crois. Hein, de toute façon. Et même si je voulais en mettre deux, lui, t'as vu la taille du machin, toi? T'as vu le boudin? Il va me détruire tout l'esthétique du vaisseau. Il a une belle poussée, mais non. Il va me détruire tout l'esthétique, eh. C'est ça en fait le problème, c'est que quand tu veux faire un truc, t'as l'esthétique du vaisseau qui va primer aussi et. Ben voilà quoi. Par contre, est-ce que je peux rajouter des armes? Par exemple, les lasers, je peux pas en rajouter. Ça, je peux pas en rajouter. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le réseau conducteur, ça, ok. Ça, c'est une comme Spike. Générateur de bouclier, laser 1 plus. Putain, où d'où elles partent les roquettes, moi? Je suis paumé. C'est pas là. Si elles sont là, lance-missile. Lance-missile, ils sont du rang 4. Je vais vérifier. Lance-missile, infiltrator, CS02. Si je peux en ajouter. Dans le même moteur, marque, cargaison, arme. Ouais, non, c'est pas ceux-là, c'est les. Ouais, faut que je passe. Oh, bordel. Ah. Bon, on va essayer de rajouter des trucs. Juste comme ça, hein, pour le fun. Hein. Et c'est ça. Hop. Je vais remettre quelques-uns des comme ça. Voilà. Ils sont installés maintenant, ça va dégager. Voilà. Est-ce que ça a comptabilisé? Je vais aller voir ça. Alors,
bien, hop. Et non, ça ne les a pas comptabilisés. Zen, on reste zen. Hop. Je vois un truc parce que j'avais eu des cadeaux pendant l'event de Noël de Pokémon Community Game. J'avais eu des petits des cadeaux, donc je vais les ouvrir. Je fais ça. Normalement, ouais. Ouais, il a pas. Je dois être niqué alors pour ça. Alors. Ouais, elle est pas dans le système. Elle est où? Si c'est un système qui appartient à... Non, ça va. Cheyenne. Ok. Direction Aquila City. Après, je pense que je peux installer des modules à la con sur certains de mes vaisseaux qui ne me servent plus. Comme le premier vaisseau que j'ai acheté qui ressemble plus à rien. Si ça peut me permettre de faire avancer pour après au niveau suivant pouvoir passer et améliorer encore plus... Le Star Eagle, moi, j'achète. J'ai des choses pour vous. Oui, je sais, t'as toujours des choses pour moi en ce moment parce que je récupère pas ce que tu prends. Il est où l'ingénieur? Il est dans la cabane là-bas. On demande à tout le monde de s'occuper des Calovores à bord de l'or. Il vous faut quelque chose? Bien sûr, je vous en prie. Oh, putain, mais il y a des bugs comme ça, je vous jure. Par exemple, lui, je l'ai jamais modifié. Voilà, c'est celui-là que j'ai modifié et il ressemble vraiment plus à rien du tout. C'est vraiment une catastrophe. Il y a des trucs partout, dans tous les sens. C'est une catastrophe. Allez. On va lui ajouter... tac, tac. Bah, on va pas mettre trop de trains d'atterrissage non plus. Hein. Hop, on le met là. Vraiment, il ressemble plus à rien. Alors, il arrive à voler. Hein. Une mobilité là qui passe à 71, il arrive à voler. Hein. Mais c'est une cata. Hein. Mais il vole plus de toute façon, je m'en sers plus.
Si on lui met... Voilà. Là, il a récupéré un peu plus de mobilité. 88. Hop. Amar. Ouais, il en a besoin que d'une, donc mais on s'en fout. Cockpit, cargaison. Tu vas ajouter quelques petits conteneurs de soute. En espérant que ça compte. Voilà. Et on va voir, là j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rajouté 5. Ah, 2 erreurs. Qu'est-ce qu'il a comme erreur? Le moteur du vaisseau consomme trop d'énergie, réduisez le nombre. Le vaisseau ne possède pas assez de train d'atterrissage. on va en rajouter, hein. Ils veulent plus de trains d'atterrissage, on va en rajouter. Alors, structure, bouclier, réacteur, habitation, engrenage. Tu veux des trains d'atterrissage? Je vais t'en rajouter, moi. Je peux le mettre où? Waouh. Donc ce sera pour celui-là. Celui-là. On va tenter de le mettre en dessous. Voilà. T'as quoi comme erreur? Abuser la masse totale. Point de contact du train. Hein. Avec la baie d'atterrissage. Ah oui, bah t'es pas aligné, bah oui. Eh mais c'est vraiment une galère en fait. Hein. La fabrique de fabrication de vaisseaux. Bon allez, ça dégage. Du coup, ils vont m'embêter. Un avertissement, ça veut dire que techniquement ça passe. Oui. Est-ce que ça va ajouter des trucs là-dedans? On va aller voir ça de suite. Ça a ajouté. Ok. On a ajouté 3. Ok. On fera ça au fur et à mesure. Parce que je vais pas vous faire un gameplay que ça. Mais j'ai d'autres vaisseaux où je peux ajouter des trucs. Donc en soi. Pas besoin que ce soit le vaisseau principal. Aquila City est le joyau de la Confédération Liberastra. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Elias Cartwright, le maire d'Aquila City. J'ai une bonne mémoire des villages et je ne me souviens pas avoir déjà vu le vôtre par ici. Je mets un point d'honneur à me présenter à tous les nouveaux visiteurs de notre belle ville. Notre fondateur le disait, rien ne vaut un accueil chaleureux et un sourire amical. Ah, il s'agit de Solomon Co, qui a mis le premier coup de pelle à cet endroit il y a plus de 160 ans. Cette première colonie est devenue la ville que vous voyez aujourd'hui. Je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire de faire de ce rêve une réalité. En effet... Cet endroit a un passé fier et noble. C'est pourquoi, pour certains d'entre nous, il s'agit presque d'une terre sacrée. Voilà pourquoi j'aime rencontrer chaque personne qui nous rend visite, pour m'assurer que tous comprennent à quel point cette ville est spéciale. Je vous en prie. Comme vous le savez, nous autres membres de la Confédération Liberastra accordons une grande importance à la bonté humaine et à la générosité d'esprit.
C'est, selon moi, ce qui nous différencie de nos voisins de l'Union coloniale. Nous ne dépendons pas des machines ou de la bureaucratie. Nous dépendons les uns des autres. Je ne vais pas chercher à savoir ce que vous faites ici. Cela ne regarde que vous. Cependant, je serais très heureux de vous donner des informations sur le noyau et le centre-ville. Le noyau est le quartier le plus ancien de la ville et représente la colonie originale datant de l'époque de Solomon Co. Les descendants des premiers colons y vivent encore aujourd'hui. Frank est le dernier propriétaire du vieux manoir Azanov. Ce type est une véritable plaie. Les problèmes ont commencé lorsque la famille Azanov s'est retrouvée à court d'héritiers. Il y a une vieille injustice que les Cartwright essaient de réparer depuis des décennies. Et donc, j'ai besoin d'aide. C'est juste un énième homme d'affaires de néon. Fourbe, grossier, arrogant et surtout, affreux. Le noyau fait partie de notre histoire. Des types comme lui n'ont rien à faire ici. J'ai vraiment bien fait de vous en parler. La dernière Azanov s'appelait Sahar. Triste histoire que celle-là. Les gens racontent qu'elle a perdu son dernier petit enfant il y a environ 40 ans. Et ça l'a anéantie. Elle a fait ses bagages et a tout simplement quitté le domaine. Elle a construit une ferme loin d'Aquila City et de ses murs. Les Ashtas n'ont pas tardé à envahir la ferme. Et d'un seul coup, plus d'Azanov. Les Azanov ont été l'une des premières familles à faire fortune dans l'espace. Très travailleurs, principalement des mineurs. Ils se sont installés sur la planète dès les premiers jours d'Aquila. Ils ont aidé Solomon Co. une fois ou deux. Mais après avoir vécu plusieurs générations en apesanteur, la vie en pleine gravité a eu un énorme impact sur leur santé. Le sort s'est acharné sur eux, laissant la vieille Sahar Azanov toute seule. Pauvre femme. Ceux qui étaient en bonne santé ont peu à peu quitté Aquila, l'appel des étoiles. Beaucoup de gens se sont dit la même chose. C'est pourquoi j'ai besoin que quelqu'un aille à la vieille ferme infestée d'Ashta pour voir si elle a laissé un testament. Je jure que j'honorerai sa volonté. Aquila doit bien ça à sa famille. Et si ça permet en plus de chasser Musclor du noyau, ça fera du bien à tout le monde. Sahar n'avait pas d'héritier, pas d'instruction. Toutes les possessions des Azanov se sont perdues dans les limbes. À ce qui est arrivé au domaine, seul un avocat pourrait y comprendre quelque chose. Mais il a fini par se retrouver sur le marché libre. Les grands entrepreneurs de Néon ont pu ainsi honorer notre communauté. Si elle a désigné un héritier, nous pourrions rendre le domaine à qui de droit. Les choses pourraient s'arranger. Vous êtes une bénédiction. La ferme de Sahar se trouve ailleurs sur la planète. Si les Ashtas vous font peur, n'y allez pas. Je ne voudrais pas que cette histoire sordide soit encore plus tragique. Prudence, et faites attention à vous. Allez, on va récupérer ce testament. Il y a cette quête là qui est mise parce que allez le jeu allez. C'est dingue là. Allez. Non. Sans déconner. J'ai Force Now qui plante.
Ah, le jeu qui a planté sur GeForce Now. Alors, est-ce qu'il va m'autoriser à le relancer ou est-ce qu'il va fermer? Il le ferme totalement. Eh ben, allez, on y va. Hein. On relance ça. Il doit finaliser la fermeture de la session. Je vais vous mettre un petit peu de musique en attendant. Hop. Juste quand je mets la musique, il finit de fermer la session. Mais je vous jure. Allez, lance Starfield et on va refaire la configuration. Alors, affichage, tac. Hop, ça on l'active. C'est OK. Et je vais devoir me retaper la discussion du coup. Regardez-moi ça, tout un nouvel ensemble de toits. Vous retrouvez dans l'espace de l'hyperastra. Maintenez votre cap et votre vitesse pendant que nous scannons votre vaisseau. Évidemment, c'est ici et... Ouais, ok. Vas-y, scan. Scan terminé. J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Ouais. On va directement voir le maire, faire la conversation qu'on va passer rapidement du coup. On met la musique en pause. Vous avez entendu parler du refuge Helios? C'est censé être un centre de réhabilitation babacool pour criminels construits sur X. Je n'en attends rien, personnellement. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Elias Cartwright, le maire d'Aquila City. J'ai une bonne mémoire des visages, et je ne me souviens pas avoir déjà vu le vôtre par ici. Je mets un point...
comme notre fondateur. Allez, on passe. Je vous en prie. Comme vous le savez, nous... C'est... Nous ne dépendons. Je ne vais pas chercher à savoir ce que vous faites ici. Cependant, je serais très heureux de vous donner des informations sur... Le noyau est le quartier le plus ancien de la ville et représente la colonie originale datant de l'époque de Solomon Co. Les descendants des premiers colons y vivent encore aujourd'hui. Allez, on y va, on accélère. Les problèmes ont commencé. Il y a une vieille... Et donc, j'ai vraiment bien fait de vous en parler. La dernière Azana, les gens racontent qu'elle elle a fait ses bagues. Les Ashtas n'ont pas tardé. Beaucoup de gens se sont dit la même. C'est pourquoi j'ai besoin. Je jure que j'honore. Et si ça permet en plus de chasser. Vous êtes une bénédiction. La ferme de ça, je ne voudrais pas que cette histoire. Prudence. Allez, va chercher ce testament. J'ai l'air d'un drone. On vient de m'apprendre que j'ai l'air d'un drone. Mais là tu vas encore me dire non, je ne te répondrai pas. Ouais, il veut pas me répondre. Et si je le fais à la main là. Orbite atteinte. Ouais, il manque un. Il manque une lettre. Ouais, non, il veut pas me le dire. Bon, on va le capturer quand même. C'est où que je dois aller? Ah, directement à la ferme. Je sais pas pourquoi, il y a des moments où il veut plus me faire cette commande, le pocket check. Allez, direct, on sort. Ah, j'ai encore plein de trucs à découvrir ici. Encore une bestiole comme ça. Et j'aurai une nouvelle... Bah, il y en a une là. Laisse-moi te scanner, laisse-moi te scanner. Voilà. Hop, il y a des bestioles dans les airs. Il y en a deux là-bas. Et... Voilà. Si j'en aperçois d'autres, c'est parfait. Si j'en aperçois pas, tant pis. En général, celles-là, elles sont pas gentilles. Qu'est-ce que ça fait si je m'approche d'elles? J'espère que vous avez calibré ce truc. Hop, voilà. Je profite, hein. C'est dans les coins, les parages. Il
Y a quoi là-dedans? Des crédits. On prend les crédits, ça c'est bien les crédits. Je crois que... ramasse quand même quelques trucs et je dois entrer à l'intérieur. Il n'y a rien là-bas. Oh, une bestiole là-bas. Ouais, mais je voudrais bien pouvoir le filtrer, enfin le scanner. Que ça se voit que c'est une bestiole que j'ai pas scannée. Il veut pas que je la scanne. Y a-t-il d'autres trucs qui traînent? Y a des mecs dans les cellules, tiens. Deux cellules. Ouais. L'histoire de cette ferme, elle est pas nette. Putain, Sarah, préviens quand tu passes de l'autre côté. Ok. Là-dedans, on a quoi? Non, on s'en fout. Rien d'intéressant. On sort. On va reprendre le vaisseau. Direction le vaisseau direct. Décollage. Je vais juste passer ma curiosité voir si je peux lire le testament. Ouais, je suis curieux. Alors, testament, testament. Testament. Ceci est le testament de Sarah Azanov. Il s'étale sur de nombreuses pages, mais le plus important est la partie où elle désigne Blake Aldwell en tant qu'héritier. Apparemment, il s'agit d'un enfant illégitime d'un de ses fils. Oh, s'il n'y a pas de... Ouais, bon. Direction Aquila City.
J'ai des choses pour vous. Alors... Quoi ? Parler à F. Langston du testament d'Azanov. C'est lequel des deux ? On va aller parler là-bas, on va aller voir lui là-bas, le deuxième point. C'est une optionnelle, on va bien voir ce qu'il va me dire. Je ferai une sauvegarde avant quand même. Alors, on va faire une petite sauvegarde avant. Parce que si jamais c'est eux qui récupèrent, du coup... Je préfère de loin le bar d'Aggie au rocher. Qui voudrait se saouler avec des rangers partout ? Aquila City a de la chance que Optech fasse encore affaire avec eux, après l'accueil qu'ils m'ont réservé. Je viens pour leur offrir des investissements et des emplois. Et c'est tout juste s'ils me crachent pas au visage. Je suis vice-président senior. J'ai fait mes armes aux achats de minerais pour nos composants de vaisseaux les plus chers. Je n'attendais qu'une chose. C'était d'obtenir la direction de ma propre région. Mais maintenant... Moi, faire quelque chose de mal, je vais vous expliquer. Et là, Ron Hope m'affecte à Aquila City. Je suis enthousiaste. C'est une occasion en or. Mais il me faut un endroit où dormir. Alors j'achète une super maison pour ma femme et moi. Et putain... Mais c'est à croire que j'ai profané un site funéraire sacré. Écoutez, ce n'est pas moi qui vends un manoir historique inestimable. C'est pas de ma faute. Donner la satisfaction d'avoir gagné ? Jamais. Merci de m'avoir écouté. J'espère que votre journée se passera mieux que la mienne. Hein, quoi ? Une minute. Azanov, vous voulez dire la famille à qui appartenait ce manoir ? Merde. Elias Cartwright. Cet homme a toujours eu une dent contre moi. Mes crédits n'ont pas moins de valeur que ceux des autres. J'ai une proposition à vous faire. 10 000 crédits et je vous débarrasse de ce testament. Et pas de question. Non mais... Je débourse beaucoup d'argent pour pouvoir vivre ici. Ce sont eux qui cherchent à me doubler. Si vous reprenez vos esprits, l'offre reste ouverte. Alors vous avez vendu 3 pick-up aujourd'hui. Ouais. Et j'en ai peut-être d'autres sur le feu. T'as des trucs qui peuvent m'intéresser, toi ? Juste comme ça, parce que un connard, moi je peux le dépouiller. Hein. Ah. Surveillez les biens, elle est assez réglo, mais l'autorité commerciale a planté ses griffes partout. En premier lieu, vérifiez que nos intérêts sont bien couverts. La prochaine fois que je serai en ville, allons manger. J'ai hâte de voir ta nouvelle propriété. Ok. Que c'est que de vivre chez les esclaves. Si les affaires continuent comme ça, occuper de ces enfoirés prétentieux du noyau va être un jeu.
que je peux choisir des trucs qui vont m'intéresser, moi. T'as y a rien, t'as rien. T'as de la thune, mais t'as rien d'intéressant. Hein. Et dans ton frigo, t'as quoi? Ouais. Sarah, s'il te plaît? Ouais. Et je peux lui prendre sa raquette et ses balles de ping-pong. Il dira rien. De toute façon, s'il dit un truc... Vous connaissez Franck? C'est mon copain. Il a l'air un peu rustre comme ça, mais c'est parce que les gens d'ici le maltraitent. Oui, bah, je crois que vous allez dégager de cette maison. Il y a des moments où j'accepte qu'on m'achète, il y a d'autres moments où je veux pas être acheté. C'est vrai que t'as chopé la maladie de Pipas. Donc on va donner le testament au maire, comme ça, tu dégages. N'oublions pas de faire le plein de munitions avant d'aller explorer les contrées sauvages qui entourent la ville. J'aimerais que mon grand-père soit toujours là. Vous l'avez trouvé? C'est merveilleux. Mais Blake Aldwell, laissez-moi réfléchir. Il y avait bien un Blake. Nous pourrions peut-être le retrouver, lui ou ses proches. Je vais mettre mon avocat sur le coup. Frank Langston va avoir une mauvaise surprise. Et nous assisterons peut-être au retour des Azanov dans le noyau. Non, en effet. Mais nous ne sommes pas à Néon. Nous avons de vraies lois à Aquila City. Tenez, vous l'avez amplement mérité. Vous avez rendu un grand service à la ville. Un mal amende. Hop, une quête de fini. Tac, tac, tac. Divers, on va finir toutes les divers. Après, j'ai quelques activités qui traînent. Et tout ça, comme je l'ai dit, c'est au fur et à mesure. Parce que c'est en scannant les systèmes. Celle-là, il y a toujours quelqu'un quand j'y vais, donc ça m'embête un petit peu. Et j'ai toutes celles-là à faire. On va rester sur divers. Vous ferez une bière de chez Jake. Excusez-moi. Ah, Sandra Fairton. Donc il va falloir aller au vaisseau. Vous êtes un genre d'acrobate. Vous ne devriez pas sortir de l'enceinte. Ouais, c'est pas un problème, tes achats, là. Ils font pas le poids. Tentez-vous de garder votre arme au chaud. Même pas en rêve. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser. Décollage. Et à mon avis, on va devoir changer de système. Alors, tac. C'est où que je dois aller? Bah, Alpha du Centaure. Jameson, donc New Jamestown. Ok. C'est quoi cette histoire? Allez, on va atterrir.
J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Nous allons vous scanner lorsque vous entrez. Eliévi. Mec, je t'ai vu apparaître. Par contre, tes classes. Le chasseur ? Ça m'a tout l'air d'être une quête que tu peux totalement passer à côté encore. Disons que je l'ai toujours eu. Quand vous aurez autant parcouru l'univers que moi, vous en aurez peut-être un similaire. Oh, je voyage beaucoup. Un peu d'intimidation aide à partir sur de bonnes bases. À la retraite, en fait. D'innombrables carrières. J'ai effectivement été tout ça, oui. Mais d'autres choses. Je passe beaucoup de temps dans les confins de l'espace. Les gens sont impitoyables si vous avez quelque chose qui les intéresse. On pourrait croire que c'est la civilisation et les factions qui font que les peuples se tirent dessus. Mais non. Même sans ça, c'est toujours la loi du plus fort. Eh oui. Vous lisez en moi. Bien entendu, c'est ce qui fait que la réalité est si tragique. Une seconde. Je crois que je risque d'avoir une véritable conversation avec quelqu'un pour une fois. Mieux vaut en rester là. Non, non. Nous nous reverrons très certainement. Non, non, reste là, toi. Reste là, reste là. À la prochaine. Putain, va falloir que je le retrouve plus tard. Bordel. Ça m'a l'air d'être quand même quelque chose d'intéressant, je dirais, ça. Donc, ouais. Affaire à suivre. Allez, monte dans l'ascenseur, ça. Non ? Bon, bah tant pis. Direction le puits. Direction le petit puits. Récupérer quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vais te le prendre parce que allez, vas-y, donne-moi ce que tu as. Oh oui, bien sûr. J'ai failli oublier. Ok, d'accord. Vous épouser était la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est mignon. S'ils nous permettent de rester aussi proches, je dirais ces mots tous les jours. C'est mignon. Alors, est-ce que le trigger va fonctionner bien ou encore avec du gros décalage ? Encore du décalage. Pas demandé ce que vous en pensiez. Secondo, ne racontez pas de salade. On sait tous les deux que c'est pas joli joli. Ouais, pas de soucis. Alors, bière.
Alors, les bières font partie des trucs de soins, d'accord. Plus 75... Ah ouais. Ah ouais. Par contre, on perd en temps de récupération d'oxygène. Alors, c'est quoi la bière qu'elle me demande? C'est laquelle? Offrez une bière de chez Jake. Ah, pas plus d'informations que ça. Non, n'importe quelle bière fera l'affaire, ok. Et du coup, j'ai le trigger qui n'a toujours pas fonctionné comme il faut là. Je vois un truc. Alors. Affiche-moi ça. Si vous cherchez à me faire perdre mon temps, vous en sortez à merveille. Bizarre, pourtant il aurait dû l'exécuter. Ouais, comme j'ai vu les autres trucs, OBS est toujours bien connecté. Je vérifie en même temps. Ouais. On va prendre n'importe quelle bière. Allez, on va lui prendre une bière brune. Très bien. Non, c'est pas celle-là? Attends, mais... Je suis inscrite à un programme de pilote d'essai l'autre jour. Je vais vous acheter. Alors, qu'est-ce que ce sera? Ok, ouais. Du coup, j'ai pris un truc qui me servira pas. Donc, on va en même temps modifier le trigger. Peut-être que... Il est pas... Celle-là, alors? Au revoir. Mais, bordel, c'est laquelle? Une bière de chez Jake dans un bar, dans son bar du 1906, il se trouve dans le puits. Sandra me demande d'aller lui chercher. Ouais, Allez, on se retrouve tout de suite, juste ah ouais. Et t'es en retard là. T'es en retard là sur le trigger, toi, qu'est-ce que... Je vais mettre à ça parce que si je décale ça au-dessus. Ça également, comme ça tu fais ça. Ok, et normalement là ça doit fonctionner, ça devra poser de problèmes. Alors, une bière de Jake. Ouais, mais je vais pas lui acheter tout son stock de bière quand même. Mieux d'acheter. La Cosette, c'est pas mon truc. Ouais. Ouais, mais... Saucisse à la bière. J'adore les saucisses à la bière. Pas lui acheter tout son stock quand même. Ici, comme si c'était dit. Ah ouais. Ouais. Je peux pas lui acheter tout son stock quand même.
Non mais sans déconner, c'est... Ok, et là, je vais faire une recherche parce que là, ne pas choper l'info alors que c'est techniquement juste une bière qui est marquée. Alors, alors, d'accord, ok. C'est une bière bien précise qu'il faut acheter et t'as pas d'infos qui te le donne. Alors, c'est la... Allez, c'est celle-ci, la Jack Stout. Et j'ai pas pris tout le truc quand même. Ok. Je vais vérifier un truc, parce que si j'ai si laissé tout prise. Alors... Je les ai toutes prises. Je voulais pas tout le stock, bordel, j'en voulais que... J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Laissez-moi sortir. C'est pas grave. Allez, ça va, viens dans l'ascenseur. Le port spatial. Insertion orbitale terminée. Nous sommes à nouveau dans l'espace. Hop. Alors, elle est sur Mars. Oula, c'est là? Sur Deimos. Non, pas là. Voilà, c'est... Voilà, chantier spatial de Deimos. Je le sauve. Les pays sont la cible.
Allez, accélère. Amarrage. Pression normalisée, amarrage terminé. Je préférerais que Deimos. Les vaisseaux Deimos figurent parmi les plus solides des systèmes occupés. J'adore les questions. C'est sûrement super pour ça que la marine coloniale fait toujours infiniment appel à eux. Et histoire de vous rassurer, promis, je la boirai pas pendant le service. Pas la moindre goutte. Alors par contre, qui c'est ici? Je sais qu'ici il y a un mec qui me permet de... Deimos a tous les vaisseaux qu'il vous faut. Sauf les vrais, ceux qui vont... Ouais, au revoir. Client. Les vaisseaux Deimos client. D'innombrables victoires. C'est toi? Deimos est là pour faire de vous une machine à tuer. La flotte écarlate n'a qu'à dire. Tout de suite. La flotte écarlate. T'as en tant que client devant toi un mec de la flotte écarlate. Bon, ça va, tranquille. Elle a rajouté, qu'est-ce que tu peux me proposer, toi? Ouais. Si j'ajoute un astromoteur, ça va être un peu problématique, je pense. Déjà, faut que je... Ouais, ok. Alors... Tac. En fait, faut que je le booste, lui. Est-ce que je peux booster l'astromoteur? Annuler. Est-ce que c'est un astromoteur de rang 1, j'ai l'impression? Est-ce que j'en ai un plus intéressant? Amélioration. Non, eux, ils ne proposent pas non plus d'améliorer l'astromoteur. Que si je prends celui-là, astromoteur. Ah oui, c'est un classe A aussi. Donc je pense qu'il n'y aura pas plus. Le SGD 1400. Alors. Ouais, je l'ai même pas là. Ça veut dire que c'est un qui ne leur appartient pas, qui est pas chez eux, donc je peux pas voir. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous à 18 LI. Ouais, ça c'est les puissances max atteignables. Ok, je suis pas encore au max de tout, de toute façon, puisque j'ai pas accès à tout. Je pourrais faire un truc, hein, dégager ces trucs-là et remettre des trucs d'habitation ici. Et ça va gâcher le visuel. Toi, est-ce que... Ouais, toi, de toute façon, j'en ai rien à carrer, mais t'as pas beaucoup de... Ouais.
lui. Est-ce que je peux mettre des trucs dessus? Tiens. Alors, constructeur de vaisseau. Ajouter. Engrenage, réservoir, moteur, cockpit, cargaison. Les trucs d'habitation. Monte d'un étage. Ah, il veut carrément pas la mettre. Ah, j'ai cru voir apparaître en vert quelque part, non? Je peux le poser. Je peux le poser là. Ça fait 1. C'est sur un vaisseau dont j'ai strictement rien à foutre. Clairement. Alors, toi, par contre... Générateur de bouclier, je voudrais te déplacer. Voilà. La mare, elle va venir là pour le moment. On va ajouter, on va en rajouter d'autres. Hop. Il ressemble vraiment à rien. Il ressemble vraiment à que dalle. Et affolant. Il y a 2. Si je mets un comme ça ici, on est sur un truc qui est visuellement voilà. Et techniquement, je suis à 3. Je vais vérifier ça. Parce que si ça, ça fonctionne, celui-là, je vais le blinder à mort. Clairement. On accepte. Je le vendrai jamais. Hein. Enfin, je le piloterai jamais celui-là. Hein. Qu'on soit clair. Revenez nous voir quand vous voudrez investir dans un. Moi, je veux pas investir dans un vaisseau. J'aime bien, il me suffit. 2. D'accord, ok. Donc, je dois mettre à chaque fois un différent pour que ça comptabilise. Ok. Je reviendrai ici pour installer que des trucs de chez Demos. Je sais que là, je pourrais faire les 30. On est plus amarré, capitaine. Le voyage sans fin. Parler à Diana. Quel système? Un autre système. Où ça? Où il est? Là-bas. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va. Il n'y a pas le... La flotte écarlate. Il faudra que je vérifie au niveau de la flotte écarlate si j'ai payé l'amende ou si j'ai décidé d'attendre. Ah, si j'ai payé l'amende. Si j'ai payé pour faire effacer l'amende ou si j'ai décidé d'attendre. Il faudra que je vois. Ok. Il est où ce vaisseau? Il est où? Ma mission, elle est où, s'il vous plaît? Il m'a amené sur la planète, d'accord, ok, mais moi, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. Ouais, j'y suis déjà, mais pourquoi, là? Parler à Diana, mais t'es où? Mais elle est où?
Bon, on va faire un truc, on va viser la planète là-bas. On y va. Peut-être qu'il va recharger le truc, hein. Ah bah, d'accord, d'accord, ok. J'adore. Wow! D'où t'es sorti, toi? Qu'est-ce que... Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, donne-moi tes trucs. Apparemment, elle est là, alors. Et ils se foutent de ma gueule. Le jeu qui est littéralement en train de se foutre de ma gueule ou quoi? Ok. Ok, bah ça c'est une mission qui va me casser les couilles et qui est pas faisable pour le moment. Donc on va passer à celle-là. Puis on verra plus tard. C'est pas normal, mais tant pis, hein. Ah, une planète que j'ai jamais été voir, tiens. Ok, il y a la flotte écarlate, ils sont pas en rouge, ça veut dire que j'ai pas de prime avec eux. Donc j'ai dû payer. Je prends part avec aucun des deux camps, hein. Je laisse se démerder. Moi, je vais juste récupérer ces trucs-là. Vaisseau suivant, il est là. Ah, là. Il reste encore des trucs dedans. J'ai pas tout récupéré. Ah oui, j'ai été trop vite pour tout récupérer. Alors, on va atterrir ici. Ouais. Système que je n'ai jamais visité. Pas dire que ça devient rare, mais il y a toute une partie où j'en ai déjà scanné pas mal de systèmes.
Paré, prête sur le départ. J'en profite pour scanner. Mercenaire de l'éclipse. Ok, l'éclipse. Je veux qu'il fasse plus attention à moi. Voilà. Caché. Là. Ça, on va prendre ça. Non, je veux descendre. Je veux descendre. Ou ça, je prends. Il y a des trucs ici. Non, donc on va descendre par ici. Ouvrir la porte. Alors, où sont les casiers ? Histoire des pirates célèbres. Moi, je connais un pirate célèbre qui s'appelle Jack Sparrow. Et son homologue, Jack Sparrow. Quoi ça ? Non, c'est pas un truc intéressant. Tac. Ah. Si je prends là, il me faut un à 3. Peut-être celui-là. Ouais. Tac. Voilà. Des crédits. Un casque. Ah mais je veux juste éteindre ma lampe. Voilà. En effet. Hop, chope ça. Là, on a des crédits. Munitions 7-7. Le casque, on s'en fout. Ça, on prend là-dedans. On s'en fout. Allez. Oh, il y a du monde là. Agent d'éclipse, agent d'éclipse.
Sur qui t'as tiré, toi? T'as l'autre, il s'est barré loin. De soins. Tac. Il va revenir. Il va revenir, donc on va prendre celui-là. Putain, il m'a vu, hein. Comment il a fait pour me voir? Et il se tire encore. Putain, mais... Le cran du mec, quoi. Je vais aller le chercher, hein. Voilà, c'est réglé, toi. C'est vous qui allez transporter ce truc dégueulasse. Hein. Alors, désolé, il y a des travaux en dessous de chez nous. Apparemment. Pas compris, vous tirerez rien de moi. Il faudra me buter, espèce d'ordure. Hein? Mais c'est vous qui avez détruit mon vaisseau et massacré mon équipage. Quand mon entreprise me trouvera, vous allez le regretter. Hein? Vous êtes de la Galbanque? C'est mon prêt qui m'a sauvé. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être endettée. Avec plaisir, je pourrais vous embrasser. Et maintenant, je vais m'éclipser au cas où des renforts arriveraient. Merci encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette zone ? Et d'où je me suis pris des gaz toxiques, moi? Ah, des crédits sticks. Ah, des sticks, ça, ça se prend. Là, on a un coffre. Je suis pas encore assez haut pour le déverrouiller. Là, on a quoi? Des crédits. Hop. Rose, je m'en fous, j'en ai déjà une. Pas besoin d'en avoir 36 000. Bon, bah on va ressortir. Je vais pas fouiller non plus tout partout. Ah, et un truc là. Une ressource que je n'ai pas scannée ici. Vous voyez quelque chose d'utile? Voilà. On s'en va. Bonsoir.
Voilà, on a toutes les ressources de la planète. J'aurais plus qu'à trouver le trait quand je m'occuperai de scanner. Non, mais. Ce système. Est-ce que je vais revoir le chasseur ? Quand je vous vois, ça me met toujours de bonne humeur. Encore un pari remporté. Et en plus, vous avez joué les sauveurs ? Formidable, tout le monde y gagne. Voici votre paye. Venez me voir si vous voulez une nouvelle mission. On verra ça plus tard. Il veut que je lui parle, elle, mais... La lumière dans les ténèbres, ok, ça, ok, mission. Bon, on va faire celle-là. On va faire toute celle-là. Mais c'est pas ici que j'avais vu le... Le ranger, enfin le chasseur, non, c'était pas là. C'était pas à cet endroit. Je ne me lasserai jamais. Trajectoire calculée.
retour dans notre élément. Les nouvelles coordonnées sont parfaitement exactes. Bienvenue dans la Confédération Liberastra. Merci de maintenir votre cap pendant que nous scannons votre vaisseau. Nous n'avons pas besoin de plus. Allez, on va... atterrir, on va faire quelques missions. Megumi Lovegood s'installe dans le nid. Coucou Megumi, merci pour ton Prime. Ça fait plaisir. Surtout que ça fait quelques jours que je t'ai pas vu stream. J'ai vu le stream pendant que j'étais pas dispo. Ah mais même juste passer dire coucou ça fait plaisir hein. Salut vous. Bienvenue au rocher. Quel enthousiasme. Vous avez pillé le tableau de mission des Rangers. Pourquoi, si je peux me permettre? La plupart des nouvelles recrues n'en font pas autant. Ça paye bien. C'est très noble. Les Rangers attirent souvent les gens comme vous. Alors je suis certaine que vous serez ravi de sa présence dans vos rangs. C'est moi qui ai rédigé chaque annonce sur le tableau. Et on a fini par découvrir quelque chose. On dirait que certaines de vos missions étaient liées. Une sorte de génie du mal nommé Tony Adams tirait toutes les ficelles. Et grâce à vos efforts, on a réussi à la coincer. Puisque c'est grâce à vous, je me suis dit que l'honneur vous revenait de vous occuper d'elle. Nous agissons dans l'ombre pour servir à la lumière. Nous sommes des assassins. Eh ben... Félicitations à toi pour ton affiliation. Merci d'être passé. Merci pour ton Prime pour cette occasion. Et merci pour ta lurk. C'est toujours ce que disent ceux qui sont du côté de la loi. Elle sera pas toute seule, donc préparez-vous en conséquence. Et ramenez quelqu'un avec vous. Je vous dirais bien bonne chance, mais je pense qu'elle a rien à voir avec ça. Excusez-moi.
juste, comme ça, nous voilà dans l'espace. Ah oui, il faut que j'aille là-bas. Donc, en gros, je dois passer là, là et là. D'accord, ok. Si je fais ça, il ne veut pas parce que je ne le connais pas. Ok, donc on va venir ici. On va faire un premier saut. Je vais peut-être remettre là et là. On va passer au saut suivant. Qui est... Ouais, non, mais là, tu me proposes un autre trajet, toi. Et ici. Hop. Deuxième saut. Bien, vous ne nous avez pas craché sur une planète, donc on doit être au bon endroit. Mais sans deck là. On va aller sur celle-là, on va bien voir ce qu'il va me dire. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'effectuer des réparations suffisantes pour rentrer à bord. Trop tard. Là, clairement, trop tard. Et donc là, est-ce que de là je peux aller sur la planète que je vis? Non, il veut vraiment me faire passer par là. Et là, c'est un trajet que je peux pas atteindre. C'est...
Donc j'améliore mon astrodynamique parce que mon astroporteur il va pas assez loin. Ok. Bon bah on va changer de mission alors. On va prendre celle-là. Direct. Quoi? Libère un strain? Mais... Vous avez sauvé la vie, vraiment. Ces attaques deviennent de pire en pire. Merci, j'en tremble encore. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, je vais aller prendre une longue douche pour oublier tout ça. Merci. Alors, qu'est-ce qui traîne dans ce vaisseau ? Ok, de la contrebande, d'accord. Madame fait de la contrebande, d'accord. Il y a un autre endroit, voilà, là. Ah, mais là, ça va clairement être du vol. Merci encore. Bon, bah, on retourne au vaisseau, hein. Au même endroit, même système. Ah oui, même même système, ouais. Allez hop, on y va. Aujourd'hui vous mourrez. Des Varun, ça fait longtemps. Salut les gars! Pas de voir un combat se pond contre les Varun. Ça. Je vous transfère les pièces. On peut pas rester ici toute la journée. Bon vol.
Alors, récupérons les pièces des vaisseaux. Enfin, les trucs qui traînent. Et on atterrit. Je vais regarder aussi à combien j'en suis au niveau de la furtivité pour le défi. Vous imaginez vous retrouver en radicie. 27 sur 40, ça va. Il y en a qui me voient là. Juste après un tunnel de pub, météo, pub, maison malade, conseil pratique, repub, autopromo, résultat des courses, pub, télo, pub, pub. Qu'est-ce que je peux faire avec l'ordinateur? Fais-moi voir. Ah! Les robots qui sont activés, ils sont de mon côté. Là-bas, est-ce que je peux réussir à aller me foutre là-haut? Ça m'arrangerait pour les avoir en discrétion. T'inquiète, t'as raison, on n'est pas seul, non. Bon, je suppose qu'ils sont partis. La température commence à être difficile à supporter ici.
Encore une marque sur mon flingue. Eh ben, Sarah, dis donc. Alors, je suis passé à combien maintenant? À 34. Encore 6 habités comme ça, et je pourrais, à un prochain level, passer en furtivité max. J'ai l'impression qu'il me manque un cadavre. S'il y avait trois mecs, j'ai qu'un seul cadavre. Ah non, il est là. Ne prenez pas de camelote. Hop, on va essayer de... continuer à rester discretos. Ah, là il y a un truc. Les attaques à main nue avec des armes au corps à... avec des armes corps à corps ont 1% de chance de désarmer les ennemis. Ok. Un aligneur, ça, ça se prend. Non, rien. Un chapeau. Vous voulez un chapeau? Moi, j'en ai déjà un de chapeau. Tac, tac, tac. Qui veut sous miniature, il est mignon. Ouais, je peux pas la déverrouiller. Ah si, en expert, je peux celle-là. Si je prends ça, il va me falloir lui là peut-être. Ouais, ça, ça. Ensuite, lui il passe. Ok, et maintenant... voilà. Il y a quoi derrière cette porte? J'espère qu'il va y avoir des trucs intéressants. Ok. Des munitions qui ne m'intéressent pas. Ah, des crédits sticks, ça c'est intéressant. J'ai pris un truc, je sais pas c'est quoi. Organisateur triangulaire, ok. Pack de boissons vide, on se fout. Là, on n'a rien. Il y a une peluche. On prend le champ. On prend le champ en peluche. Ouais, le casque, ouais. Et là, on a ça à prendre. Voilà. Bouteille de chicha. Dis-moi que je peux faire un truc avec des ordinateurs ici. Genre activer des tourelles et tous ces trucs-là. Histoire que j'ai les tourelles ou des robots qui fassent tout, une bonne partie du taf à ma place. Y'a pas... on fout, les munitions là je prends. Ça on prend.
Ah ouais, tu m'as vu, toi. Ouais, non, mais passe pas devant moi, Sarah, surtout. Hein. Tu vas te faire... Tu vas te faire brûler, Sarah. Passer vite fait là, voilà, hop. On s'éloigne. Hop. T'es obligé de continuer à te faire repérer, Sarah. Je veux être discret, moi. Hop, ils sont là-bas. Ok, il y en a un là. Où il va me voir. Il va être le premier que je vais devoir buter. Oh putain. J'ai perdu la cible. J'ai un visuel sur la cible. Il m'a vu. On va prendre les munitions qui traînent sur lui. Ouais, c'est ça. C'est juste un peu dommage que ce pouvoir-là, par contre, il fasse pas la différence entre allié ou ennemi. C'est un peu mort pour finir en discrétion. Reste lui là à buter, essayer de le faire. Ouais, t'as raison, tu peux pas bouger, ouais. Si tu te levais. Tu te levais que je te finisse. Voilà.
de l'hélium. Alors là, on a un cadavre. Crédit, munitions, sur quai. Là, on en a deux. Munitions, ok. Rien qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Là, c'est que des réservoirs à hélium 3. Ok. Hop, grimpe. Voilà. Crédit, munitions. Contrebandier, raffiné, Beowulf. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Tac, tac, tac. Un petit coffre. Du coup, il va rien me donner. Là, et si je prends là, c'est ok. Tac, tac. Ensuite, ici, ok, c'est passé. Alignière, crédit, on prend tout. Voilà, ça c'est bien. Quand c'est des trucs comme ça, ça fait plaisir. On a des munitions ici. La guerre des mondes. Oh! Allez, juste pour le fun, je prends. Voilà, là-dedans il n'y aura rien, je m'embête pas. Faut que je ressorte maintenant, bordel. Elle est où là? Est-ce qu'il y a une sortie rapide? Non. Non, il faut que je... Ah, une porte peut-être. Nécessite un ordinateur. Je suis trop chargé. Sarah, t'es où? Sarah, t'es où? T'es là, viens là. Eh bien, eh bien. Vous ne pouvez plus vous passer de moi. Vous voulez voir ce que je transporte? Non, non, je vais te donner des trucs. Oh, va falloir que je... Ah oui, il faut que je... Ouais. Ah oui, puis c'est elle qui avait ça, la casque, dans la combinaison de Mantis, c'est ça, ouais. C'est elle qui les avait pour... Je les avais mis là pour pas les vendre accidentellement. Faut que je vois pour les modifier, par contre. Alors, par contre, mon inventaire. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Vous me manquez déjà. Un ordinateur pour ouvrir ça. Alors, où est-ce qu'il y a un ordinateur dans le truc de par ici? J'ai pas vu d'ordinateur, moi. Enfin, pas d'utilisable pour ouvrir le truc de stockage. Ah, si, là. Hop, ouvrir les portes. Donc. Voilà, il y a des trucs intéressants dans le stockage. Non, c'est là où je peux descendre. Donc j'aurais pu monter ou descendre. Hop, bande charge. Il n'y a personne de toute façon. Non, il n'y a personne. Ah oui, c'était là que je suis rentré, d'accord. Y a-t-il des choses? Là on a... des stockers. Là on a quoi? Crédit, ça je prends. Ça on prend les crédits. Ça, le reste je laisse. Je veux bientôt récupérer. Vas-y, vas-y, sers-toi, mais tu prends rien de toute façon. Ah! Faut que je mette de l'énergie là-dedans. J'ai pas de batterie, ouais, bah de la merde. Hein. Hop, retour au vaisseau qui est juste devant. Coucou le mecha.
Direction le cockpit. On va voir ce qu'il me dit sur la mission, si elle a changé ou si c'est la même. Ouais, c'est elle a changé et c'est celle où je peux pas aller. Récupérer la prime du chef. Ok. On va faire celle-là. C'est où ? On va décoller déjà. Ce serait une bonne idée de décoller. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait des vaisseaux qui m'attendent là. Bon, putain. Tout est si beau vu d'ici. Nous sommes en orbite. Non, pas personne, tiens. Et hop, on va aller sur le système où il me demande d'aller. Ici. Quelle planète ? Cette lune. C'est quoi? C'est qui là? Le vaisseau, c'est qui? Mamie? Bonjour, je viens tout juste de préparer à manger. Si vous avez un petit creux, n'hésitez pas à venir. On va aller voir ça, tiens. Intéressant. Je suis intrigué. M'intrigue ça. Allez, accélère un coup. Amarrage. Je suis intrigué. Mais vraiment. Bon, alors, par contre, quand on regarde son vaisseau, il est petit par rapport au mien. Elle est là-bas, tiens. Qu'est-ce que... Tu fais dodo. C'est pas l'heure de dormir. On va discuter un petit peu. Je m'inquiète quand même. Eh bien, bonjour. J'espérais que vous viendriez me voir. Le pire dans les voyages spatiaux, c'est de devoir manger seul. Je mangeais tous mes repas avec ma moitié autrefois. J'ai préparé plein de choses. J'espère que vous avez faim. Bon, elle est mignonne. Le temps, voilà ce qui lui est arrivé. Il a vécu une vie bien remplie. J'ai toujours dit à mes enfants que la vie est une maladie sexuellement transmissible et qui est fatale à 100%. Ils détestaient que je dise ça. Tant de formalités. C'est un plaisir de faire votre connaissance. J'ai enfin pris ma retraite l'année dernière et depuis, je voyage partout. J'aurais bien voulu faire ça quand j'étais plus jeune, mais je vais pas me plaindre. Mes petits-enfants sont terrifiés à l'idée que je sois là. Totalement flippés. Vous n'imaginez même pas les gens que j'ai pu rencontrer. Allez, parle-moi un peu. J'ai invité un brave homme à manger une fois. Tout comme vous, et il a débarqué dans mon vaisseau complètement nu. Il s'est avéré que c'était un de ces nudistes à l'ancienne. Il disait que personne n'en savait rien dans l'espace, mais Dieu sait que moi, je l'ai remarqué. Ah oui, oui, bah s'il débarque dans ton vaisseau comme ça, oui. Oh, ils sont un peu partout, mais maintenant je peux les voir tout le temps. Alors, que pensez-vous des systèmes occupés?
Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant d'étoiles, de planètes et de lunes. J'ai la tête qui tourne rien que d'y penser. Ah oui, ça. Allez, je suis gentil. Oh, c'est vraiment adorable de votre part. Je me débrouille plutôt bien. Mais il est vrai que les dépenses s'additionnent. Mais je ne vais pas vous laisser repartir les mains vides. Tenez. Et dites-moi, que pensez-vous des systèmes occupés ? Ah, j'ai gagné des sushis. À qui le dites-vous ? J'ai bien peur d'être fatigué, Trésor. Je suis au bout d'une très longue journée. Mais n'hésitez pas à embarquer un petit tanka pour la route. J'en ai plein en stock. Allez, on va fouiller un petit peu, on va voir ce que je peux récupérer sans que ça pose de problème. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Je prendrai pas les crédits si j'en trouve. Je vais lui laisser, elle est gentille. On va... Oh, des petits peluches, non, je lui laisse. Ah, j'ai beau être un pirate, il y a quand même des moments où je ne verse pas dans la piraterie. Je regarde juste si je peux trouver des trucs qui améliorent mes stats. Là, elle a le même cockpit que moi, tu vois. Elle a rien. Les crédits, ça je laisse. Je laisse tout. Visseuse à percussion, équipe de soins. Non, elle a rien pour améliorer les stats. Donc, on retourne à bord du Star Eagle. Et on va aller se poser ici parce qu'on a, je la scanne en même temps, on a une prime à aller chercher. Pour scanner la planète. Et de glace de zoo qui me manque. Alors ça c'est galère. Il y a beau avoir de la glace partout, trouver la ressource qui fait l'eau. C'est galère. Se dire que là il y en a. Non, j'ai cru mais non. Alors, on pourrait se dire qu'ici il y en a, mais bon, c'est de la glace, mais c'est bon, j'en vois une et je vois un mec là-bas. Il y en a un ici. Ouais, je m'en vais, mon grand. Voilà.
En plus, j'ai un silencieux, donc il n'y a pas eu de son. C'est pas des munitions qui m'intéressent. Toi. C'est ce qu'ont ressenti les premiers astronautes terriens quand ils ont posé le pied sur leur lune. Ah oui, c'est très probable, oui. Attention. Et du coup, il me manque combien? Il doit me manquer un seul à tuer. Ouais, un seul à tuer en étant discret. Putain, ils vont sauter par, ils vont venir par ici, dégage. Dégage, 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 dégage. Quand. Et hop. Et si je le tue, il va être trop loin pour être comptabilisé. Ça m'est déjà arrivé. Si je peux l'avoir, lui. Voilà. Je pourrais, dans un futur level, prendre la furtivité niveau max. En plus, c'est des Varun qui sont là-bas. Il y a un mec là derrière, je le sais. Il doit être à l'intérieur, je pense. Ouais, il est à l'intérieur. Donc, on va prendre celle-là, vu qu'il est à l'intérieur. Crédit. Tout ce qui peut être utile et laisser le reste. Ouais, je prends que les crédits et les munitions que j'ai besoin. Cache de contrebande. Ce pouvoir là, il m'éclate. Ouais. Ready. C'est que t'es là, Coco. Le grand serpent se repètera de ton corps. Rien du tout, ouais. Il va se repètre du tien, ouais. Ah. 5 plus 5% de dégâts avec les armes balistiques, ça c'est cool. Kit de soins. Gilet. Kit de soins, voilà. Ça je m'en fous. 7-7 on prend. 7-77 on prend. Collecteur en machin, je prends pas. La ligne orge. Ça je prends pas, on laisse tout ce qui traîne sur lui, pas besoin, on va descendre du coup, des mecs en bas, le casque on s'en fout, câble zéro on s'en fout, allez. Tu vas quoi? Toi, c'est en train de se bastonner déjà. Attendez-moi!
Y'a des trucs ici. Ah, y'a des gens. On prend les médicaments. On prend les crédits. Obligé de passer par les aérations par contre. Hop, alors, on a quoi là? Traitement, on prend. Ça, je laisse. Ça, je laisse. Ça, on laisse. T'as rien qui m'intéresse. À la limite, l'équinox pour Sarah. Mais... Hop, on continue de passer là. Non, non, ok. Donc il y a une sortie, il y a une porte ici. Ah, il me fonce dessus, ce con. Hop, je ne prends pas. Ah, aligner, ça je prends. Paquet de sushis, je m'en fous. Je réactive, je m'en fous. Qu'est-ce que ça fait si j'ai... Alors, voilà. Communication. Système de communication. Agent de liaison. Charlie m'a demandé de te parler des problèmes du labo parce que ça vaut... Pour ce que ça vaut, je pense qu'on devrait au moins procéder à une évacuation. La configuration initiale de nos systèmes ne tient pas compte de l'environnement extérieur. Enfin, une évaluation. Tu sais bien que RI... Ouais, ok. Nous avons examiné, ok. Ouais. Ouais. Non, rien d'intéressant. Ah oui, bon, je tire dans la fenêtre, moi. C'est terminé pour toi. Alors, on prend les crédits. Sans son. Quoi là, c'est quoi ça? C'est rien du tout. Là, on a quoi? Tenue habillée de colon, on s'en fout. On s'en fout. Ah, il y a encore beaucoup de Varun qui traînent, tiens. Et là, on s'en fout. Est-ce que je peux passer par là? Non, je ne peux pas passer par là. Lui, il est toujours en train de nous viser, mais... T'as pas choisi le bonjour pour m'emmerder. On va aller par là.
Hop, il y en a un ici, là. Crédit, trousse de soins. Je suis persuadé que je peux pas passer par en haut, là. Que la porte là-haut, elle est bloquée. Ah non. Mais elle va pas m'amener au mec là-bas. Voir que je passe autrement. À moins que... Ah si, la fenêtre elle est cassée. Crédit, on prend les crédits. Hop, là-dedans, on a quoi? On se fout. Tac, tac, tac. Pour la prime, c'est réglé. Ah oui! Et tu le dis, ma grande. Viens me chercher. Et pour toi, je suis une âme damnée, viens me chercher. Ok, j'aime pas quand on fait des menaces pareilles. Je vais venir vous chercher, vous. Est-ce que je peux... Ils sont où? Il y a un moyen d'aller les rejoindre? Non, parce que moi, on me menace comme ça, je suis pas d'accord. Faut pas briser ça avec ma foreuse. Non. Ok. Sans déconner. Si je mets lui là, il m'en faut un comme ça. Et lui, il passe pas là. Et lui non plus. Lui non plus. Pardon. À la limite, lui plus lui, mais... Si je peux éviter... Ouais, en fait, j'ai pas le choix, du coup. Non. C'est obligatoirement... C'est obligatoirement lui plus lui. Là, si je mets lui ici. Lui là. Et lui là. Ok. Ensuite, ben, je sens que c'est un peu la merde. Ouais. Lui passe pas, lui passe pas, lui ok, lui c'est ok. En venant là, mais du coup... Lui n'est pas ok. Lui est ok. Mais je suis embêté. Ouais, en gros, j'ai pas le choix, c'est bien lui et lui. Ok, donc là, on a lui qui est ok, d'accord. Lui peut être ok. Mais à quel endroit? Ici ou... Ou ici? Parce qu'il peut permettre lui
lui peut venir là. Et de l'autre côté, il vient là. Si je fais ça. Non. Alors, si je mets lui, il me faudrait... Je suis niqué, donc ça peut pas être lui. Lui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il va passer. Il faudrait lui, mais en décalé. Même pas. Lui... Comme ça, ça passera pas forcément. Parce qu'après, je suis embêté. J'ai pas de 1, donc. Pareil, toujours ça avec un décalé. En gros. Si je mets lui comme ça et lui, bah c'est voilà, c'est celui-là. Du coup, maintenant, j'ai cette possibilité-là. J'ai ça, ça, lui, ce qui fait que je peux mettre lui comme ça. Voilà. Pas faux. Mais ouvre. Ouais, c'est verrouillé pour une bonne raison. C'est juste qu'il y a des trucs à l'intérieur qui peuvent m'intéresser. L'alliance des trackers. Hop. Il faudrait une clé que j'ai pas trouvée, tiens. Lui pourrait passer si je le mets là, il passe. Là, il passe. Lui passe comme ça, donc on va prendre ça comme ça. Lui passe et probablement uniquement ici. Il me faudrait un. Est-ce que j'ai d'autres possibilités? Lui, par exemple, non. Oui, mais il va m'en manquer, donc autant faire lui. Et lui. Voilà, maintenant. On a les derniers à mettre. Là et... Voilà. Non mais Sarah. Les petits zélotes. Ah, je peux même pas passer les rejoindre. Ou alors par un chemin que j'ai toujours pas, que j'ai pas trouvé. Combustible nucléaire, chapeau de transporteur spatial. Juste pour le fun. Je prends le chapeau. D'accord, ok, donc en gros, je peux pas aller les rejoindre les autres là-bas. Ou par un chemin que j'ai pas trouvé alors. Bon, on va pas se casser le cul à chercher par où passer. Hein. Si je vois un passage que j'ai pas emprunté, j'y vais, mais... Il y a très peu de chances que il y en ait un... Ah non, il y en a pas. Tiens, là, il y a un truc que j'ai pas vu. Soda. Oh. D'accord, pour t'expliquer ce que tu... Ah,
Rapport structurel. J'ai abordé le sujet, mais Shannon ne semble pas saisir la situation. Si nous ne faisons rien au sujet des connecteurs du système pour le projet cryogénique, pour les projets cryogéniques, et qu'il y a ne serait-ce qu'une défaillance mineure, nous pourrions avoir des problèmes dans toute l'installation. Je sais que tu le sais, mais je tiens à te rappeler que les changements environnementaux extérieurs peuvent exacerber la situation. Nous ne pouvons pas contrôler ces facteurs. S'il te plaît, parle-en à Shannon. J'aime beaucoup travailler avec vous, mais je n'ai pas envie de rester coincé dans cette tombe de glace pour toujours. Merci. Charlie. Alors, soit il n'a pas tort, hein. Et visiblement, il n'avait pas tort. Une peluche que je dois avoir. Là. Et il n'y a pas d'autre porte. Hein. Non, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Bah donc, les autres sont coincés dans la glace. Attends, c'est où la sortie? Mais c'est par où la sortie? Ah, elle est là. Je vais les laisser mourir dans la glace. Top. Alors, l'autre mission. Est-ce que j'ai une autre petite mission à faire? Rendez-vous sur la planète. Détruire le vaisseau. Oui, allez, on y va. Petit combat spatial. Avant de... Avant de se quitter, on va faire un petit combat spatial. Allumage des moteurs, c'est parti. Un petit manzai sauvage. Et là, il me dit que je ne l'ai pas. Ok. Je comprends pas pourquoi il y a des moments où elle veut bien fonctionner ou pas. Et d'autres moments où elle veut pas. Alors, toi, t'avais un là. Toi, t'en avais un là. Hop, mais... On va mettre ça là parce que on va changer de système du coup. Où il est? Il est ici. Ok, je dois juste me rendre dans le système. Me prépare à foutre les moteurs à fond. Imaginez ce qu'a ressenti ce soir. Nous sommes arrivés, capitaine. On aurait besoin de vacances. Alors, si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider. Ou alors, on peut brûler votre vaisseau. Ah, t'as envie de me menacer, toi? Maintenant, c'est toi qui vas être chassé, mon grand derrière. C'est qu'un
utiliser. Par le vaisseau. Capitaine, notre astromoteur est réparé. Ouais, fallait les réparer, mais pas au max. Mais c'est pas grave. On va tranquillement laisser les trucs se réparer. Du détecteur. On va aller faire un tour là-bas. Ok, direction là-bas. Ouais, comme je fais partie de la flotte écarlate... Hop. Je vais le contacter. Toujours avoir le prochain objectif en tête. HS. Vous avez dégommé leur astromoteur. La cible éliminée. Mais je voudrais viser. Voilà. Et on va se marrer et on va aller les niquer à la main. Nous sommes amarrés. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de témoins. Ils sont là-haut, ok. Ils m'attendent. Pas possible d'être de le faire en discrétion. Ils m'attendent derrière la porte. Parfait. Oh, normalement la prime elle aurait dû sauter. Bon, bah, je me retrouve avec une nouvelle prime par rapport à la flotte écarlate. Alors, fouillons un peu le vaisseau. Là, on a quoi? Crédit, ça on prend. Là, on a quoi? Crédit, ça on prend. Ça on prend. Ok. On prend pas la contrebande. Hein. Pas encore, on va dire, safe pour faire de la contrebande. Crédit, je prends. Voilà, on va retourner au vaisseau.
qui veut bien. Voilà. Et c'est là pour retourner au vaisseau. Hop. On est libre. Partons d'ici. Et pour être sûr. Voilà. J'ai tout niqué. Allez, on se retrouve tout de suite, juste après un tunnel de pub. Et alors, hop. Ouais, celle-là, je peux pas la faire. Là, on va me dire que... Enfin, c'est pas qu'on va me dire, c'est que je sais que je pourrais pas la faire. On va aller faire celle-là, tiens. On va démarrer une mission principale. Mais... Hop, allez, vecteur 1, c'est ici. Qu'est-ce que je vais devoir y faire, moi, ici ? Il y a deux vaisseaux qui se sont rentrés dedans. Regardez-moi ça. Et c'est des vaisseaux de la flotte écarlate, ça, en plus. Ouais, on dirait des vaisseaux de la flotte écarlate. Avec personne dedans. Bon, on va atterrir là où ils me disent d'atterrir, de toute façon. Je m'étonne toujours. On dirait que la situation s'est dégradée depuis votre dernier passage. Argos s'est manifestement désengagé de cette opération. Vous êtes de retour ? On va bien finir par le savoir. Oh non, comment c'est ça ? Je me suis assez coltiné Barrette comme ça. J'ai pas besoin qu'il m'envoie son clone. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On n'a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux. Ils n'ont pas survécu. Qui sait ce qui traverse la tête des pirates ? Chercher une revanche, ramasser les miettes. Peut-être qu'il s'agissait de deux équipages différents et que c'est la faute à pas de chance. Vous pouviez pas le savoir, vous étiez pas là. Dans tous les cas, je me retrouve coincé derrière des caisses avec Barrette. Ça tire dans tous les sens. Son sourire a disparu de sa jolie gueule parce qu'il sait que la fin est proche. Je commence à m'équiper pour aller me battre quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit... Reste ici, Lynn. Je m'en occupe. Oula. En tout cas, pas pour eux. Barrette est plus dangereux qu'on ne l'imagine. La seconde d'après, deux des pirates sont morts, et il tient le troisième dans une clé d'étranglement. Il le chope et demande à discuter. Sinon, je vous prouve le principe d'action-réaction avec le lobe temporal de ce type. Et c'est là qu'ils ont fait venir Heller. J'ai rien entendu. Et après les secondes les plus longues de ma vie, Barrette a levé les mains et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. Un tel message aurait été trop risqué, trop de responsabilités. Vous savez bien comment ça fonctionne. Nos clients ont juste besoin de savoir quand commencent les opérations et quand elles prennent fin. On gère tout le reste.
Ils ont pu s'astroporter n'importe où. J'ai envoyé une transmission au vaisseau depuis le bâtiment des communications avant leur départ, mais les pirates ont dû la brouiller. Je vous empêcherai pas de tenter votre chance. Mais quand bien même vous les trouveriez, ils seront probablement plus vivants. J'ai perdu beaucoup d'hommes, vous savez. J'ai plus qu'une envie, c'est de me barrer. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Batterie d'urgence, bon ça je m'en fous. Crédit, on prend. Allez, ouvre la porte. Sarah rentre. Voilà. Elle ne me dira rien. Ouais, elle est foireuse, j'en ai déjà. Je vais en prendre 36 000, j'en ai une, ça me suffit. À tous les coups, on va me dire qu'il n'y a pas assez de jus pour la... Ouais, non. Porte verrouillée, ok. On va choper des batteries pour voir si c'est les... si avec les batteries ça peut déverrouiller la porte. Désolé Sarah. Je vais fermer la porte sur elle. Alors il y en a une ici. Où est-ce que une batterie de secours peut encore traîner? C'est vraiment parti en couille dans cette station. Bon, je vais pas fouiller toute la station. Si jamais, je vais forcer la serrure. Hein. Non, pas non. Alors, c'est du novice, ça ne va pas être compliqué. Si tu prends lui, là, et là. Tac, et tac. Ok. T'as pas d'alimentation, je m'en doutais. Donc la batterie, elle va servir. Allez, hop. Là, il faut les trois. Putain, chercher une source d'alimentation. Ils sont utilisés de batteries standard. Ok. c'est dehors. Ouais, non. Ou bien que je sorte et que j'aille choper des batteries. Là du coup au moins je sais où je dois aller pour récupérer mes deux batteries. Chercher les batteries. Vous avez détruit une batterie unique. Hop, ok, il m'en manque une. On va aller là, il m'affiche là qu'il y en a une.
Maintenant, je peux aller mettre les deux batteries que je viens de récupérer. Hop. Direction la mise de batterie. Allez, transmission d'urgence. Ça soit mis dans ce pétrin. Tu veux bien te taire? J'essaie de faire les calculs d'astroportation avant que nous ne soyons plus à portée. À portée de quoi? À portée de l'antenne sur Vectera. Tu veux bien suivre un peu? Quand on sera en dehors du système, la bande passante passera de vitesse instantanée à encéphalogramme plat. Et à quoi ça nous servira d'envoyer une transmission là-bas? Vous allez dire à Lynn à quel point on est dans la mouise? Elle a même pas de vaisseau. J'estime le nombre d'admirateurs que j'ai dans la galaxie et l'heure. L'un d'eux viendra forcément, ne serait-ce que pour revoir ce joli minois encore une fois. On est foutu. Foutu avec un F majuscule. C'est bon. Alors, qui que vous soyez, vous trouverez des coordonnées interstellaires dans les métadonnées de cette transmission. Venez nous secourir. Je répète, venez nous secourir. C'est quoi ça? Et cette constellation en approche, donc ça c'est moi. Ok. C'est quoi cette histoire? C'est marrant. Même s'il est vivant, j'ai aucune envie de le revoir. Heller, par contre... Ok, je vous envoie les données de géolocalisation contenues dans la transmission. Je compte sur vous pour les retrouver. D'accord? Pardon? Vraiment? J'ai pas vraiment les épaules pour... faire ce que Barrett et vous, vous faites. Mais le moment serait tout trouvé pour une reconversion après tout ça. Si votre équipage cherche un superviseur d'avant-poste, on peut en discuter. Oui. Allez pas m'offrir des pluches pour mon anniversaire non plus. Mais oui, je le reconnais. J'aime pas voir mes proches souffrir. Même Barrett et Heller. Retrouvez leurs traces, ok? Et au fait, si vous avez besoin de bras, je suis en train de réfléchir à une reconversion. Il serait peut-être temps de quitter Argus. On dirait que vous n'avez pas chômé. Venez me voir si jamais vous avez besoin d'un compagnon de voyage compétent. Mon contrat avec Argos se termine, et je dirais pas non à un changement de décor. Après tout ça, sans problème. C'est juste un boulot, pas de quoi en faire un plat. Bien sûr. Ça me gêne pas de recevoir des ordres, et ça peut pas être pire que travailler pour Barrett. Si vous me confiez un avant-poste, j'optimiserai sa vitesse de production de matériaux en un rien de temps. Mais je peux aussi me rendre utile autrement. Je sais m'y prendre avec des explosifs, et vous ne m'entendrez jamais me plaindre d'un sac trop lourd. Ce sera avec plaisir. Je suis pas exigeante sur mes affectations. Je vais là où on a besoin de moi. Donc elle est pour l'instant sur mon vaisseau. Mon avant-poste, faudrait que j'ai quelqu'un d'autre en plus. Ah, elle pourrait être plus intéressante au niveau du vaisseau. On devrait déjà. Ouais, faudrait que je la mette sur le vaisseau.
peut-être faire ça, tiens. Désaffecter. Tu vas sur le Star Eagle. Ça va atteindre. Hein, ok, d'accord. Désaffecter. Je confirme. Vaisseau. Lynn. Ensuite, Andreja, tu vas venir sur le Star Eagle. Et Lynn, tu vas aller à l'avant-poste. Voilà. Où je vois, voilà. J'ai son avant-poste, c'est nickel. J'ai un meilleur système d'armement. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, je vais me mettre au travail. On discutera plus tard. Ouais, va gérer mon avant-poste. Va bosser pour moi. Attends, si. Donc c'est sur la planète. C'est là-bas. C'est marrant parce que je suis arrivé pile là alors que mon vaisseau a atterri là. On va en profiter, on scanne les ressources. Je me suis blessé, ben bien. Abruti. Bon, faut que j'aille sur mon vaisseau. D'accord. Retourner à la maison sur Mars. Tiens, je vais juste voir un truc là. 30 650, putain. Tac tac tac, ici, voilà. On y va directement et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je commence à regarder vite fait où je pourrais vous emmener en raid. Il faudrait aussi que je continue de faire évoluer mon système d'arrivée des ressources. Il faut que je puisse faire pas mal de choses ici aussi. Alors, sauvegarder. On sauvegarde là. Hop, quitter.
Je confirme comme ça. Hop. Je vous bascule sur la fenêtre de chat. Et je quitte le jeu. Donc j'espère que le live vous aura plu. Vous avez passé un bon moment. Pour rappel, vous avez encore un live demain après-midi à partir de 14h. Donc ce sera du Satisfactory modé. Et là, on va commencer à faire quelques chaînes de production. J'attends que le jeu se ferme pour pouvoir après vous faire le petit raid. Je commence à regarder en même temps dans les follow que j'ai. Où est-ce que je peux vous emmener en raid? Alors, où est-ce que je pourrais aller? Alors, bah, je crois que j'ai trouvé, je vais quand même regarder et vite fait. Alors, ça va avoir un petit peu de mal parce que je lance mon navigateur, il va tout charger. Voilà, ça, je le vois, je le vois. Je le vois qu'il a du mal. Alors, voyons voir. Peut-être lui, ouais. Je vais quand même regarder s'il y a des gens potentiellement intéressants sur Starfield. Bon, parce qu'on va être de moins en moins nombreux à streamer dessus. En même temps, pas beaucoup de slow runners. Tac tac. Alors, Starfield. Il se fout de ma tronche. Je stream Starfield en français et quand je fais la recherche, c'est aucun résultat. Il se fout de ma tronche, clairement. Ouais, il n'y a rien. D'accord. Ok. Ok. Alors lui, stream. Ok, ok, ok. Ben non. Alors, je vais vous emmener. Je vais vous emmener chez Hero, qui est en train de faire du Phasmo. Je prépare tout ça. Donc n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. Vous avez toutes les annonces et vous aurez également toutes les annonces. Quand j'aurai fait le planning, comme je vous ai dit, il y a
de l'inconnu pour le début de semaine prochaine. Donc, je verrai bien comment le planning va s'organiser. Pour ceux qui sont en lurk et qui m'entendent encore, n'hésitez pas à sortir de votre lurk pour suivre le raid. Ça vous fait des points de chaîne en plus. n'hésitez pas aussi à rester parce que de toute façon vous avez des petits crédits qui arrivent à la fin. Comme c'est régulier maintenant depuis quelques lives, moi je vous fais des bisous. Reposez-vous bien, mangez bien, hydratez-vous, profitez comme vous pouvez, et on se retrouve demain à 14h pour du Satisfactory Modé. Et d'ici là, un coin-coin à tous. Ah, il veut pas lancer le raid. Mais il me fait quoi? Oh, on va recharger la page. Ah, je vous jure, c'est bug. C'est pas possible. Recharge la page. Est-ce que là, il va être d'accord? Bon, c'est ok. Et bien sur ce, coin coin à tous.